Je suis plein de surprises parce que j'ai regardé souvent les reprises de la boîte à surprises. J'ai vu le Christ marcher sur l'eau. Mais il m'a volé mes bottes en caoutchouc. Nous sommes le sublime chaos des enfants abandonnés. De nos jours, même les snobs et les bourgeois n'ont plus d'argent. Durant l'automne, les feuilles dans les cours d'école courent comme des enfants perdus. J'entends un jeune adolescent frapper un arbre de toutes ses forces. Il le frappe avec une longue, longue branche. La forêt l'écoute et lui jettera un sort. Dans le souffle d'octobre, je vois des squelettes suspendu au bout des branches. Serait-ce un signe de survie? Dans le souffle d'octobre, je vois des squelettes suspendus au bout des branches. C'est un signe de survie. Un certain ami des arbres dans la forêt m'a pris par la main. Il voulait qu'on devienne des amoureux. Ne perdons pas de temps à vivre dans l'essentiel qui existe, mais qui fait semblant. Voilà pourquoi on passe nos après-midi à se crosser au téléphone ou dans les parcs juste pour le plaisir des voyeurs perturbés. Au paradis des condons, on n'en porte pas. On préfère souffler dedans en espérant s'envoler avec. L'ennui pousse à la masturbation. Sigmund Freud se retourne dans sa tombe. Je regarde les femmes et fais mourir les fleurs. La Joconde
n'apparaîtra plus dans ton lit, ses longues jambes clouées au sol. L'étoile se meurt, sa luminosité m'envoie une mise en demeure. Regarder les étoiles trop longtemps, cher monsieur, peut occasionner un cancer de la vue. What the fuck is that? Le sort de la planète cogne à nos portes. Fermons nos fenêtres pour ne pas qu'il y pénètre. Je prépare ma propre guerre. Il y a un drapeau de Kraft Dinner en berne sur mon balcon. Derrière les trucages des médias terroristes, un soldat pleure sous la bille de combat. Une sensibilité à défendre malgré toute la lourdeur du monde. Sigmund Freud se retourne dans sa tombe. À travers ma poésie, j'apprends à ramasser les livres déchirés au lieu de les brûler. Je cherche le poème qui fait mal. Je consulte un poème d'Alain Grandbois. Celui écrit avec l'encre des propos incendiaires. Les oiseaux se masturbent contre l'asphalte. Ils balaient la poussière et se mettent à danser. Les arbres ont l'air plus vivants que nous. On se donne sans avoir de sourire en retour. Bon, ben, je vais aller à l'épicerie. Je n'ai pas vraiment notion du temps quand je compose. Dans ma tête, j'allais aller à l'épicerie pour dîner. Il est rendu 4 heures. Fait que je vais y aller. Ha 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 ha!